Ohayou gozaimasu. Aujourd'hui on est mardi 30 juillet, il est 6h03, heure japonaise, du matin. On s'est levé très tôt parce que le premier train c'est un Limited Express, le Suzulin, le numéro 2. Donc le premier qui part de Mulholland pour aller à Sapporo. Et il passe à 6h22 à Tomakomai. Donc c'est notre premier train pour aller jusqu'à Otaru, ville portuaire. Connu pour ses marchés de poissons du matin, pour ses spécialités autour des fruits de mer, des produits de la mer. Donc je suis sur le quai de la gare de Tomakomai et là c'est Kihaki 150 pour Mulholland qui part. Même remarque que hier, toute la ligne est électrifiée, mais c'est du diesel. C'est du diesel. Et donc nous on prend le Limited Express de 6h22 pour Sapporo. Le Suzulin 2. Et donc il n'y a qu'une seule voiture de réservée, c'est la voiture 4. Et donc 6h22, 7h14, voiture 4, 7, c'est... Ah pardon, c'est Suzulin 1. J'ai cru que c'était le 2, mais non, c'est le 1. Et là, ça a l'air d'être une série 731 à gauche, devant. Et plus loin, là-bas, une série 733 qui sont couplées ensemble. Voilà. Série 733 est un peu plus récente. Il y a pas... Là, il y a plusieurs bandes grises. Plusieurs bandes, on dirait, de métal, alors que là-bas, c'est plus lisse. On est donc arrivé à Otaru après 50 minutes de local. Bon, c'était un peu rush hour, mais pas trop quand même. Il y avait toutes les places assises étaient prises, mais debout c'était assez courant. C'était... Il n'y avait pas non plus beaucoup de monde. Donc c'était espacé, c'était bien, on a pu profiter. Là, à partir vers la fin, là, la ligne longeait la mer et c'était très joli. Il y avait des petits bateaux de pêcheurs. Et c'était agréable à voir. Il est 10h30 et je suis de retour à la gare d'Otaru. Les autres viennent de partir avec le Rapid Airport vers Sapporo puis Tomakomai. Et moi, je prends la ligne Hakodate vers Kuchin Oshamambe et je les rejoindrai dans le Limited Express pour aller jusqu'à Shin Hakodate Hokuto puis à Omori. C'est la destination du jour. Et
Et donc c'est un train local en one man, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, qu'il n'y a que le conducteur. Ici, on a un Kira 151, du coup. Voilà. Couplé avec un autre modèle, un Kira 40. Voilà. Et donc pour celui-là, de Otaru jusqu'à Kuchin, j'en ai pour 1h17. Voilà. 1h17 de local diesel. Alors que pourtant il n'y a pas autant d'arrêts. Vous allez voir ça sur le plan de la ligne qui est dans la voiture. Dans les deux voitures, c'est une combinaison de long seats et de box seats. En sachant que dans les box, il y a des box de 4 et des box de 2, c'est-à-dire des sièges en face. Je vous montre ça. Là, les longs. À droite à 4 et à gauche à 2. On est là. Ici, une correspondance. Et après, comme ça, jusqu'à Oshamambe. Alors que les autres, ils font ça, comme ça. Puis ici, ils changent. Et Aminamichi Sosei, ils changent pour Tomakomai. Après, ils font un autre tour comme ça et ils rejoignent par ici. Et on va à Hakodate. Bon, je viens d'arriver à la gare d'Otaru, on voit le train là-bas. J'ai une correspondance de... je vérifie. Il me semble 23 minutes. J'espère que c'est ça, parce que sinon, ça va être compliqué. Correspondance de... Oui, c'est ça. 25 minutes. Donc j'ai le temps d'aller au coop qui est là-bas. On est acheté à manger parce que j'ai faim. On a mangé les tâches chimie vers 10h. Il est déjà midi 10. Mais j'ai faim. J'ai faim. Et il n'y a que ça devant la gare. Taxi, bus, des gens.
Mais pas de combini, c'est seulement le coop ici. Mais bon, il y a tout ce qu'il faut quand même dedans. C'est pas un problème. Donc Kuchan, c'est aussi une station de ski. Là-bas, il y a une piste. Et en été, là, il y avait pas mal de monde qui est descendu. Soit ils vont faire comme moi, ils vont continuer jusqu'à Oshaman Bay, ou s'arrêter avant. Soit ils viennent passer quelques jours ici, en vacances, je pense. Et en face de la gare, un hôtel qui cache la montagne, caché par des nuages. On a une avenue par là, un bonhomme de neige, sûrement. Et la montagne, c'est à cause de celle-là et des autres qui sont dans les parages que les lignes pour relier Hakodate et Sapporo, il faut contourner soit au nord par la ligne Hakodate, soit au sud par la ligne Mulolan. Et là, Kuchan, mais écrit de droite à gauche. Sinon, ça fait bon, c'est, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est on avait déjà vu ça dans la préfecture de Yamaguchi, sur la ligne Yamaguchi. Voilà ce que ça donne apparemment en hiver avec la montagne.